Salut la vidéo, les viewers en différé. Donc toujours sur Game Over Quest, le jeu où quand on meurt, on peut avoir plus d'objets après. C'est un jeu, voilà. C'est un jeu qui est comment dire, indépendant, qui apparemment a une dizaine d'heures de jeu. Enfin, j'ai joué 1 heure, donc c'est la vidéo précédente. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir avant. C'est une découverte, donc je ne connais rien du tout du jeu. Juste, j'ai lu en diagonale, mais vraiment très diagonale. En fait, j'ai pas lu plus que ce que j'ai vu. La page Ulule où il y a des goodies physiques à récupérer. J'ai vu aussi le trailer qui montre peut-être quelques morts que je n'ai pas encore vues, mais qui montre pas forcément tout, qui en divulgue pas assez pour que je puisse forcément les empêcher. Donc voilà, on va continuer. J'ai la chance d'avoir sur le stream quelques développeurs ou les personnes qui ont travaillé sur le jeu, donc et d'autres viewers qui, comme moi, découvrent le jeu. Et donc du coup, je les lis de temps en temps, ça m'arrive. Ce n'est pas forcément le cas de toutes mes vidéos. Alors moi, je ne saurais pas trop quoi dire. Je suis une des graphistes, d'accord, Nabucco 88. Mais en soi, je viens de le rapporter à un dev qui est là aussi, mais qui a du mal à suivre le son à cause de sa co... D'accord, mais de toute façon, je vais mettre les vidéos en ligne. Ben, comme tu as vu, je viens de commencer un enregistrement de la vidéo numéro 2. Donc vous pourrez voir les vidéos, ou normalement, même sur Twitch, sans attendre que je me décide à upload, on peut voir les vidéos des lives Enfin, on peut revenir dans le passé sur Twitch, normalement. Donc voilà, je continue. Pendant que j'y suis, précision importante, j'ai pas l'impression qu'on puisse jouer à la manette. Ou alors je me suis trompé. Et seulement les touches du clavier, ça suffisait. Si en fait on peut jouer à la manette, je me suis juste bourré. Mais voilà, les touches du clavier suffisent à... Voilà. C'est juste les touches directionnelles, espace ou entrée pour les actions, et mage pour courir, mais je le fais rarement. Des fois, je suis curieux de savoir les touches dans les jeux, là. On va pas recommencer comme ça. Oui. Alors. C'est un gros crabe, ça. Ah oui, le pain là-haut, tu avais raison, le signe noir. Il me semble en parle pas. C'est quoi cette main qui dépasse de sa bouche? Ok. J'allais dire les crabes sont carnivores, mais non, c'est juste. Enfin, oui, carnivores, mais pas cannibales. Vous obtenez un peigne. Donc j'ai obtenu le peigne. Si on se rappelle de la vidéo précédente. La coiffeuse demande un peigne et un shampoing. Le shampoing, on sait où il est. Mais avant de retourner, je vais finir d'explorer un petit peu. Enfin, peut-être pas finir, mais au moins explorer un petit peu ce côté-là. Tu devrais faire attention, les crabes sont très agressifs. Je les ai à peine frôlés, ils m'ont pincé. Ils pourraient te blesser. Oui, j'ai cru voir une fée des glaces. Hey, listen! Bizarre cette créature. Hey, watch out! Hey, listen! Hey, watch out! Ah merde! Tais-toi, Navi! Enfin, Ravi, bref. Vous découvrez un écho du passé échoué. Des épines. Que se passe-t-il ici? Pourquoi le vaisseau secoue autant? Nous avons déjà traversé des tempêtes bien pires. Madame, nous avons un problème, nos instruments dysfonctionnent. Contactez les autres aéronefs au lieu de vous tourner les pouces. Sinon, je vous les fais arracher. Madame Ria? Quoi? Toute la flotte est touchée par la même avarie. Nos engins semblent avoir un défaut de fabrication. Alerte! Alerte! Dangereuse perte d'altitude! Comment est-ce possible? La générale Zephyra a fait remplacer l'entièreté de notre escadron par ces dernières générations.
maudite soit-elle. Redressez le cap. Impossible. Ok. Oui, les verres, le peigne, oui. Mais comme le shampoing, et puis de toute façon... non, je veux pas réécouter. De toute façon, maintenant que je sais où sont les deux, ça devrait pas poser de grands problèmes. Le pigeon, non, le pigeon, il s'échappe. Hé hey. D'accord, je meurs pas. Je dirai mon idée tout à l'heure. Donc ça c'est un bug qui devrait sûrement être corrigé du coup à la sortie du jeu vu que j'ai eu le jeu en avant-première et que vous allez l'avoir plus tard. Donc j'ai été obligé de relancer le début de la quête pour que lui veuille bien me donner le shampoing. Enfin le voilà, bref. Vous pourriez mourir et lui reparler directement normalement. Tu as mon shampoing et mon peigne? Oui, parfait. Une chaise de salon de coiffure. En avant pour la guerre aux pointes cassantes. Alors, je vous fais quoi comme coupe? Je ne sais pas trop. Je sais, une couleur. J'aime bien mes cheveux comme ils sont. Vous inquiétez pas, je sais mieux que vous ce qui êtes à la mode. La seule question est, quelle couleur préférez-vous? D'accord, je rigole, vous ne connaissez rien au style. Pourquoi vous laissez décider? Ha ha ha. Et voilà le travail, un magnifique blond peroxydé. La teinture réagit bizarrement avec le shampoing. Où l'as-tu trouvé? Oh merde. Zut, excusez-moi. Ok, encore une quête où on meurt. Je me demande si toutes les quêtes, au final, on meurt à la fin. C'est toi qui as libéré ce bras dragon? Oui. Cool. J'aime bien la musique ici. Elle me fait penser à quelque chose. Je sais pas quoi, mais... Alors par contre, dans l'auberge, il veut pas appuyer sur le piano parce qu'il aimerait en savoir en jouer. Là, il fait n'importe quoi. Comme moi qui toucherai un piano, mais... Bon, du coup, on va faire mon idée de tout à l'heure que j'avais pas vu les trois fois où j'ai tourné autour de cet endroit-là. On a dit que c'était du ciment, ça. Ciment frais. Et on a dit que là, il n'y avait pas de piège à loup, ni de barrière. Vous voyez où je veux en venir. On meurt les pieds dans le ciment ou la tête. Apparemment, il sait pas juste garder les pieds et mourir comme en prison. C'est pas grave. Voilà. Alors, maintenant que ça s'est fait... lui, je lui ai parlé. Je crois. Non, peut-être pas. Non, puisque je me suis pas autant embêté. Érable. C'est le sirop d'érable, c'est le sirop d'érable de ma grand-mère. Dansons le sirop d'érable ce soir sous les ponts. Dansons le sirop d'érable ce soir, mon garçon. J'aime les planches. Savez-vous comment? Quand elles sont bien blanches, avec du peuplier dedans. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guéret sont dépouillés, j'ai plus le temps de lire. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. C'est un peu plus rapide que dans ma tête.
mais c'est la version rapide. Si je me perdais, j'irais d'abord à l'est ou au sud. Dans tous les cas, je continuerai à l'est et si je ne trouve rien, je reviendrai sur ma pas. Il faut toujours revenir sur ses pas quand on est perdu. Merci, enfin je crois. En fait, je suis en train d'explorer à plein d'endroits différents. Voulez-vous des oranges bien juteuses? Oui. Hé, hey, pourquoi pas? Je vends le tonneau entier pour un petit lingot d'or. Il n'y avait pas moyen d'en avoir à l'unité? Non, c'est le tonneau ou rien. Profitez-en, monsieur, il s'agit d'une vente privée. Bon, déjà, que veux-tu que je fasse d'un tonneau d'oranges? Et ensuite, c'est pas une vente privée puisque... Bon, on laisse tomber. Comme vous voulez, monsieur. Quelqu'un dans le camp a des lingots d'or, non? Je devrais pouvoir en récupérer. Oui. Je sais pas si cette plante-là va me faire mourir ou si c'était juste l'autre. Ouais, c'était la même. Faut vraiment que je fasse gaffe à chaque fois. Ok, à plus le signe noir. Évidemment, si toi aussi tu veux découvrir le jeu, c'est pas cool suivre quelqu'un d'autre. En fait, je vais à gauche. J'allais à gauche, mais la grotte, on a quasiment rien découvert. Oui. Alors là, on est allé à droite. On est allé là. On est allé là. Si ça se trouve, on avait tout vu les parties intéressantes, mais. Vu qu'il y avait d'autres chemins. On ne sait jamais. Mais oui, mais je les voyais, les trous. Du coup, là, vu que je veux revenir exactement au même endroit, c'est un peu punitif de revenir à la base. Mais je suppose que c'était un choix exprès. Par exemple, quand j'avais le combat contre le boss, par contre, je revenais toujours à l'endroit du boss. Des explosifs. Moi j'avais une pioche ici, mais. Et merci Malin du 67 pour le follow. Alors. Attendez, il y a la porte là, je suis passé devant comme si elle était fermée, mais dans ce jeu, je préfère ne présumer de rien. On dirait que quelqu'un vit là. Une peau de banane, ne meurs pas, s'il te plaît. Que faites-vous ici? J'explorais les souterrains et j'ai vu une lumière à l'intérieur. Dehors! Je t'ai dit de sortir! Pourquoi vous me frappez avec une cuillère? Ça risque d'être une mort très lente. Le meurtre à la petite cuillère. Oust! Aïe, ça fait mal! Non, y a rien d'autre, hein. Tu commences à m'énerver. Je vais t'apprendre à rentrer chez les gens sans permission. Viens ici, scélérat, mécréant. Je ne dirige pas. Ah, pas la cuillère. C'était bien une référence au meurtre, la petite cuillère. À la cuillère. Bon allez, dernière fois, on va voir dans le donjon avant de tester au moins le dragon. Parce que je me rends compte que... On l'a débloqué, mais on l'a pas utilisé, on va dire, pour... Pour se faire un voyage dans sa ville. Donc oui, je disais que là,
quand j'ai battu le boss, il y avait le voyage rapide, enfin, je respawnais toujours au même endroit. Mais là, je veux revenir au même endroit, c'est un peu long, c'est un peu punitif pour un jeu où le but, c'est de mourir, quoi. Je me demande si ça fait quelque chose, ça. On dirait pas. On voit à moitié les coins. Ah, j'ai oublié de prendre les explosifs. C'est pas grave. Oui, c'est vrai que je peux courir et que je ne le fais pas alors que je connais le... C'est terrible, pue le chien mouillé. Voilà. Je peux courir et je ne le fais pas. C'est vrai, c'est ma faute. Bon, là, c'est moi qui regardais plus l'écran. On va voir le dragon, après on retournera peut-être avec les explosifs. Ça alors, je suis mort mais il est toujours là. Salut humain, alors, prêt à partir? Et il se souvient de moi. Ce n'est pas la première fois que des conséquences de mes actions restent après que je remonte le temps. En général, c'est lié aux reliques magiques de Faustine. Mais pourtant, je n'ai pas utilisé de reliques pour le libérer, donc je ne vois pas pourquoi cela a eu un effet permanent. Alors, peut-être que le joueur voit pas... Enfin, le personnage voit pas, moi je pense que, de ce que je me souviens, c'est on a altéré sa vie, du coup, il s'en souvient. Et où? C'est un dragon, donc il est baigné de pouvoir magique, donc ta gueule, il s'en souvient. Décidément, il y a encore plein de choses que j'ignore sur cette malédiction. Enfin, l'essentiel, c'est que ce dragon soit toujours là. Alors, humain, veux-tu partir pour Abrutopia? Allons-y! Allez, grimpe! Il va me buter encore? Non, oui, peut-être. Nous voilà arrivés. Qu'est-ce qu'on attend? Mon propriétaire. Qui ose troubler ma malédiction? Ma méditation. Smeg, après plus d'un siècle sans te voir, je te pensais définitivement perdu. Twix, me revoilà, maître. As-tu oublié qu'il t'est interdit d'amener ta nourriture ici? Je n'ai pas envie de devoir nettoyer tes saletés. Non, non, je ne compte pas le manger. Dans ce cas, qui est-ce? L'humain qui m'a libéré et protégé face à un cinglé qui voulait s'emparer de mes pouvoirs. Bonjour. Intéressant. Où as-tu trouvé mon dragonnet? Scellé dans les souterrains de la forêt fantastique, il aurait causé de gros dégâts avant d'être enfermé. J'ai peut-être cramé quelques trucs par-ci, par-là. Cela ne m'étonne guère de lui, mais avant de continuer cette discussion, il serait temps de faire les présentations. Mon nom est Twixy, dieu de la guerre et du massacre, gardien et maître des terres hostiles de Brutopia. Un dieu? Oui, donc évite de me faire perdre mon temps en paroles inutiles. Je m'appelle moi. Eh bien, moi, je te remercie d'avoir ramené mon dragon. Son vol m'avait mis dans une colère noire. Je n'avais plus rien pour servir le thé à mon frère lorsqu'il me rendait visite. Mais peut-être ne comprends-tu pas le rapport. C'est simple. Smeg est une tasse ensorcelée, capable de prendre l'apparence d'un dragon. Son lien avec le feu permet de toujours garder au chaud les boissons qu'il contient. La magie fait des merveilles, n'est-ce pas? Donc le dragon est une relique, donc il n'est pas revenu dans le temps. C'est aussi ça. Je m'en étais rendu compte, ça permet surtout de le rendre vulnérable. C'est un peu le défaut. Vous ne pourrez pas juste créer une tasse chauffante? Cela aurait manqué de classe. C'est le dieu du massacre, ça ne devrait pas m'étonner plus que ça. Pour te me remercier, demande-moi ce que tu veux et je te l'offrirai. Je souhaiterais rentrer chez moi et être libéré de la malédiction dont je suis victime. Qu'il en soit ainsi. Ah bah ça marche pas. Que se passe-t-il? Mon sort n'a pas fonctionné. D'où viens-tu? D'un autre monde, mais je n'ai pas la moindre idée de comment j'ai atterri ici. Je n'arrive pas à t'y renvoyer. Le passage par lequel tu es venu a été fermé et impossible de le rouvrir.
quant à ta malédiction, mes pouvoirs restent sans effet. Elle prend sa source dans une magie primordiale que seule une poignée d'êtres du fond des âges peuvent contrecarrer. Vous êtes pourtant un dieu, non ? Je suis certes puissant, mais pas omnipotent. Ton cas dépasse mes aptitudes, ce qui attise ma curiosité. Puisque je ne peux te venir en aide, je te confie ce mug. Il t'aidera à retrouver celui qui t'est et qui est à l'origine de tes problèmes. J'ai passé des décennies enfermé et me dégourdir les ailes ne me fera pas de mal. En plus, j'ai une dette envers toi. Vous m'aviez parlé d'êtres anciens. Pourrait-il m'aider? Plus qu'à retrouver lui. Il y a peu de chances. Je ne suis même pas sûr qu'il en ait encore en vie. Le plus simple est de retrouver celui qui t'a maudit. Smug va te déposer au pied du volcan. Tu pourras explorer Brutopia à la recherche d'indices. Si tu veux retourner à la forêt fantastique, tu n'auras qu'à revenir lui parler. Bonne chance dans ta quête. Merci. En avant. Oui. Je me posais deux questions. Pourquoi quelqu'un t'a volé et comment es-tu arrivé dans la forêt fantastique? Je ne sais pas pourquoi on m'a dérobé à Twixie. Et ni comment d'ailleurs, j'étais tranquillement sur mon étagère et puis pouf, je me suis retrouvé secoué dans un sac, avec ce bruit horrible qui me vrillait les oreilles. Un bruit, lequel? Un morceau de bois qui frappait le sol, régulier et ininterrompu, pendant tout le trajet. Ça m'a rendu complètement taré. Ensuite, tout redevient flou. Je me souviens juste m'être réveillé au milieu de la forêt, fou de rage, et avoir commencé à tout détruire. Merci pour tes réponses, même si au final, on ne sait pas qui est derrière tout ça. Pardon, je me demande encore pourquoi quelqu'un voulait brûler la forêt fantastique. Peut-être retrouverons-nous le voleur en parcourant Gover. Il faut y croire. A bientôt, Smeg. L'air chaud de Brutopia m'avait tellement manqué. Profite de ton séjour ici pour aller jusqu'à Bourinopolis. C'est la plus grande ville de la région, et surtout la seule. Moi. Elle se trouve à l'est. À droite. Mais fais très attention, les habitants du coin sont très portés sur la baston. Si tu ne te muscles pas un peu, tu ne survivras pas longtemps. Quoique, puisque tu reviens à la vie, c'est pas tant un problème. Non, mais ça fait mal quand même. Je n'en doute pas. Si tu meurs, on se retrouvera au campement de la forêt fantastique. Bon séjour chez moi. Ah oui, quand même. Donc là, si je meurs là, on retourne à la forêt fantastique. Non, c'est pas les gâchettes, c'est... J'ai pas assez fait gaffe. On va vérifier. On vérifie tout de suite. Je vais devoir refaire le chemin jusqu'à Brutopia. Ah d'accord, oui. On se retrouve à Brutopia et il me re-TP. Ok. Comme. oui, tu ne retournes. Oui et non. Alors oui et non, tu ne retournes pas vraiment à la forêt de fantastique de Nabucco. Oui, c'est ce que je viens de voir. C'est. Comme le boss au final, comme quand je battais le boss. Rien, Bourinopolis, d'accord. Voilà, des sables mouvants. Est-ce qu'il nous refait l'animation? Non, il nous le refait qu'une fois. Ok. J'aime bien quand il n'y a rien. Une tempête se lève. Le texte gravé a été en partie effacé. Il ressemble à une antique prière. Ô Hathor, déesse seule, que ta chaleur embaume nos cœurs, brûle le mal, que ta lumière oigne les ténèbres. Alors, ô Hathor, je suppose
Non. Déesse solaire, peut-être. Que ta chaleur embaume nos cœurs, que tes flammes brûlent le mal, que la lumière soigne les ténèbres. Les grains de sable rentrent dans mes poumons, je n'arrive plus. Respire. Bam, 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 bam. Bon. On va retourner à la forêt. Vu qu'il y a quand même beaucoup de choses que je n'ai pas encore vues, fait. Vous avez vu la bête là-bas? Ah, un dragon! Qu'il prenne tout mon or, mais qu'il ne me fasse pas de mal. Prendre un lingot, oui. Oui. Un lingot, on prend les trois. On sait jamais. Alors. Non? Mais non, mais pas tous les arbres. Oui. Je vous ai peut-être pas dit la phrase en complet, mais en gros, je pense rester un peu ici parce que j'ai pas tout exploré. Et du coup, vu que je ne vais pas finir le jeu déjà ce soir, c'est clair, j'ai pas 10 heures de jeu à faire ce soir. Et j'ai pas envie non plus de speedrun, vu que le jeu est bien rigolo. J'ai du coup pas mal de temps à faire. Je préfère d'abord explorer la première zone et après aller ailleurs. Alors oui, je veux les bien juteuses. Je sais plus si c'est d'orange. Orange, oui. Vous obtenez un tonneau d'orange. J'ai plus rien à vendre. Ouh, j'ai failli passer sur la plante. Un hibou vous fixe. Bonjour. Femme, j'ai d'autres chats à fouetter. Mais pauvre chat. Reviens ici, sale bête. Pauvre chat. Mais non. J'avoue que celui-là, je l'avais pas fait gaffe que c'était un trou. Bon, je peux avoir les lingots d'or, les oranges. Mais... pour le moment, ça ne me sert pas à grand-chose. Je ne sais pas quoi en faire, donc ça ne sert à rien que je refasse ce bout de quête en boucle. Ces bois, j'ai comme une impression étrange. Serait-ce les bois perdus? J'en ai bien l'impression. Je te fais attention, ce n'est pas un lapin normal. Non, il a l'air sournois, cruel et irascible. Et en plus, il fait des bons. Fuyons. Ah, j'ai pas fait gaffe à la plante. Du coup, est-ce que je brute force les bois perdus? Ou est-ce que... non. Je pense que non, c'est une bonne réponse. Peut-être, mais pas sûr, qu'il y aura autre chose. Enfin, quelqu'un qui me donnera un indice sur comment les passer. La porte est scellée. Je sais pas si c'est un indice, mais il y a le coin en haut à droite qui est vert alors que les autres sont gris. La musique est sympa. Mais les musiques sont souvent sympas dans ce jeu. Soit elles rappellent des trucs, soit elles sont juste sympas. Sans forcément... Je dirais comme une porte de boss finale avec un cinquième du jeu fait ou quelque chose, enfin des quêtes fait. Alors normalement, ouais, là-bas on peut pas y aller.
Est-ce que là, il y a quelque chose? Non. Un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige vous suit du regard. Quelle est cette étrange plante? Brrr, j'ai froid tout d'un coup. Je ne sens plus mes membres. Je ne spoil rien. Après la forêt, oui, il y a un indice quelque part. Ok. Merci, c'est tout ce que... ça aurait été bizarre de brute force, que quel que soit le jeu, tout ça. C'est pour ça que je voulais pas forcément... le brute force. Ah mais non, c'est la même plante. Oh. Non, bah, je vais m'habituer à la plante. Hein. Je commence à découvrir le pays des neiges. Tac. Tac. Alors, en bas, j'ai peur que ce soit un trou, la petite tache noire. Alors, Vladimir, qu'est-ce qu'il va me dire? Non, cannelle. Dehors, tu dois avoir si froid. Comment ça, tu dois avoir si froid? Toi, t'es pas dehors? T'as pas froid? Le froid est de plus en plus intense. Ok. Ok. La force brute est toujours la solution. Et si elle n'allait pas, c'est que tu n'y es pas allé assez fort. Cette grosse, un perso t'en parle dans le campement en soi. Ah d'accord. Oui, oui, bah oui, le brute force, ça marche toujours, mais c'est pas forcément rigolo. Enfin, en tout cas, pas en stream. Après un chevalier et un dragon, on attire de drôles de personnages dans ce camp... Dans ce camp... Campement, je suppose. C'est... Ah, j'avais pas lu « C'est en pipe », c'est ça qui est marqué. Ok, non. Non, pour le moment, c'est pas l'un de lui. Ce soutien d'or, je sens sur le point de se décrocher. Ça sent la meuf qui va arriver mettre une gifle one shot. Le raccrocher. Au secours, un pervers touche mes sous-vêtements. Police, on ne bouge plus. C'est pas ce que vous croyez. Je ne savais décidément pas vous tenir tranquille. Un petit séjour en prison vous fera le plus grand bien. Oui, texte coupé, oui, c'était ça que je faisais remarquer, Nabucco. J'en ai pour des jours, et en plus, ils vont pas me nourrir. Je meurs de faim. C'est la deuxième fois de cette manière. Non, je crois que ça va être les morts par dans les trous qui vont me tuer le plus souvent. Enfin, en tout cas, c'est le cas pour le moment. Ouais, c'est vrai qu'il y avait juste le soutien-gorge ici. Des vêtements s'échauffant. Des vêtements sèches au vent, et après, bim, soutien-gorge, tu veux le raccrocher? Oui. Bon, ben meurs. C'est de votre faute si cette créature est libre, n'est-ce pas? Oui, mais il a promis de ne rien détruire. J'espère qu'il tiendra parole. Il serait dommage que je me retrouve obligé d'en faire un sac à main. Vous? Oui, moi. C'est pas une flèche, celui-là. J'ai beaucoup de travail, repasse une autre fois. Je sais même plus si je lui ai parlé à lui. Je suis venu dans la forêt fantastique pour rendre visite à mon ami Tony, mais je courais si vite que je me suis perdu, si ça me dit quelque chose. Je finirai par le retrouver, même si je dois rouler à travers le monde entier. Rouler. C'est des trous. Ça va, d'ailleurs, je suis pas d'humeur pour parler avec un mec à l'air aussi niais. Bonjour, monsieur. Salut. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Oui, si vous le dites. Jeff No, sortez main de tes poches. Oups, je n'avais pas vu qu'elle s'y était glissée.
pense que je vais te croire. T'en sortais main de ses poches. Oui, c'est ça, j'avais mal lu. Le voleur de ouf. Salut, vous avez besoin de soins? Non. Mince, moi j'ai besoin de cobayes. C'est pas grave, si vous vous blessez, passez me voir. Tu sais par où c'est chez nous? Pas vraiment, je cherche aussi à rentrer chez moi. Dommage, peut-être qu'on se recroisera. J'espère que tu arriveras à retrouver ta maison. Sous le tapis. What? J'ai pas fait exprès. Bah alors, on trifouille les sous-vêtements des filles. Bah écoute, oui. Apparemment, oui. Je voulais juste les remettre en place. Moi, je veux pas que ça tombe, parce que ça salisse dans la boue, tout ça, c'est pas... Rouler. Tu as pas vu le nom du perso? Ah mince, bah je... Rouler. J'avoue que... C'est une mauvaise habitude que j'ai pris, vu que je... En tant qu'humain, j'ai souvent du mal à retenir les noms des gens, les noms des personnages, s'ils sont pas un peu principaux. J'y fais pas assez attention. Donc, Jeff No. Wakla. Non, c'était pas eux qui parlaient de rouler, je crois. Non, c'est Sabrina. Non, Sarina, pas Sabrina. Et lui, c'était comment? Oknai. Non, c'était plutôt le bleu. Une nouvelle coupe de cheveux? Non. Placard est vide. Des produits de beauté sont classés par leur niveau de dangerosité. Bon, on va refermer alors. Des tonneaux pour de gel pour les cheveux. Ah, mais il y a l'autre... Oui, c'est de... celui qui est tout en bleu. Il y a l'autre pas fou, mais avec ses explosifs. J'ai pas fait gaffe. Non, mais c'est pas un jeu pour streamer, ça. Tu donnes la tête deux secondes en parlant, en réfléchissant. Et voilà ce qui se passe quand tu vas trop vite. Voilà pourquoi j'utilisais pas le bouton d'accélération au début. Sonic. Sonic. Effectivement, roulé. Je suis venu dans la forêt fantastique. Oui. Même si je dois rouler à travers le monde entier. Sonic. Bleu, il a pas forcément des gros pics, mais un peu. Oui. Alors. Non, le prêtre, je sais pas encore trop. J'aime ma blague. Oui. Bah oui. Alors lui. Bonjour, je sais que vous aimez faire péter des trucs et j'aurais besoin de votre service. Avec plaisir. Que dois-je détruire? La maison de ton rival? Des ruines millénaires à la valeur archéologique inestimable? Ton amour propre? Non, non. Il y a un mur fissuré dans les souterrains avec quelque chose qui brille derrière. Et je souhaiterais voir ce que c'est. On se retrouve là-bas. Ils sont bien empilés. Ouais, vraiment bien empilés. C'est fou comme ils sont bien empilés. Alors. On redescend. Non. Oh mais non. Ah, j'ai été dessus, j'ai pas fait. Alors. Je t'attendrai dans les souterrains. Ne demande pas comment j'y serai avant toi, c'est un secret. Allez.
Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le trou là. Surtout, je lui ai dit dans les souterrains, mais pas l'endroit précis. Ah, j'espérais qu'on puisse passer, mais non. On peut pas aller voir la chauve-souris. Oui, c'est toujours la même. J'ai pas vraiment envie de m'approcher des explosifs. Attention, ça va péter! Cœur. Et voilà le travail. Voulez-vous entrer? Oui. Ce coffre brille de mille feux. Il doit renfermer de nombreuses richesses. Oui, c'est pour ça que je suis venu. Et c'était d'une mimique! On s'y attendait pas. Ah! J'ai l'impression que toutes les quêtes sont faites pour te buter. Mais bon, ça augmente ton compteur. Et au moins, c'est pas des morts où tu tombes dans le même trou, genre là. J'en étais sûr. Non, mais ça va. Les trous, les plantes... Pour le moment, il y en a pas un où je me suis dit, en fait, je sais pas d'où il vient, quoi. Je l'ai pas vu, mais en revenant, il y avait bien un indice au sol. Alors ça, on avait déjà vu. Son rhum, c'est pas moi qui ai bu son rhum. Qu'il en reparle une deuxième fois. Ou qu'il se pousse de la tente. Ah non, oui, j'ai pas envie de le réveiller. Ok, donc quand on fait B, ça valide quand même le premier. Ils sont en général cachés. Une légende raconte qu'une grotte leur est dédiée dans la forêt fantastique. Ah! Ah, la grotte! J'ai trouvé un feu follet. Il y a un seul des cinq dans la grotte qui est allumé. Oui, si ça se trouve, c'est ça en fait. C'est peut-être pas un boss final. Je suis allé trop loin. Ah! Non! Pourquoi j'ai cliqué tout en bas? Je sais pas si on peut l'effacer la troisième, mais au pire, pas grave. Alors oui. Brutopia, un si beau désert. La ville à l'est sera ta prochaine destination. Ok. J'ai l'impression que j'ai à peu près tout fait quand même, ici. As-tu entendu parler du grand Shblob? Il est notre créateur, un être divin qui guide ses enfants vers une vie meilleure. Veux-tu rejoindre notre église et profiter de sa bénédiction? Pas vraiment. Shblob, c'est... Gruik. Joli bruitage. Oui. Shblob, c'était le... La panthère en armure, là, qui... Siegfried, qui était un adorateur de Shblob. C'est de l'eau potable. Je me demande si les petits trucs qui flottent dedans sont potables aussi. Mais si, c'est de l'eau vomatique. De l'aloe vera. Donc il y a des trucs qui flottent, c'est normal. Alors, est-ce que j'ai tout fait? Voilà. Non, je suis peut-être pas allé... Attends, ici, je crois que c'est la grotte dont je... Non, ça, c'est les bois perdus. Eh? Eh, mais non! Comment j'ai fait pour sortir des bois perdus, moi, tout à l'heure?
me suis fait tuer, je crois. D'ailleurs, là, il y a une corde à linge. On ne peut pas aller la voir. Donc, c'était en haut. Et après, peut-être que c'est à droite. Voilà. Donc, ça, c'était du brute force jusqu'ici. Ces champignons ont une belle couleur. Si, j'en mangeais un. Ouais, ça ressemble vachement à des... Papy m'a appris à les reconnaître. Mieux vaut rester prudent, oui. C'est vrai, mieux vaut rester prudent. Papy m'a toujours dit qu'avec la mémoire de poisson rouge que je finirais par m'empoisonner. Oui, bah oui, c'est des amanites. Tu mouches normalement cette couleur-là. Bon, Je suis revenu au point de départ. Oui, oui, c'est Siegfried, c'est juste un adorateur, mais c'était le même culte, c'était le voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. C'était pas lui le dieu, mais c'est lui qui en parlait. En tout cas, je vais finir par manger un champi rouge pour sortir d'ici, je crois. Là, je fais tout en brute force. Mais j'ai parlé, j'ai vu personne. Salut poteau, ça va? Ça va avec un S. Hein. Bref, je suis Skull Kid. Skull Kid, il s'appelle comment dans Zelda? Skull Kid. Non, en tout cas, c'est la même sonorité à peu près. Ah oui, et puis derrière, ça ressemble à l'arbre Mojo, cet arbre-là. Beaucoup sont entrés dans ces bois. D'un poignet est arrivé jusqu'ici. Félicitations à toi. Tu viens d'accéder à la seconde épreuve. Une fois celle-ci passée, tu obtiendras le trésor des bois paumés. Es-tu prêt? Oui, oui, bah oui, les bois paumés, du coup, forcément, à l'intérieur, il ne pouvait y avoir que d'autres références à Zelda. J'avoue que je suis... C'est pas Ocarina of Time qui a bercé mon enfance, et du coup, c'est pas forcément Skull Kid qui me vient en tête quand je pense aux bois perdus, vu que c'est plutôt les Zelda 2D. Mais effectivement, dans Ocarina of Time, c'est lui. Je suis un champ. Très bien. Réponds alors à ces trois questions et tu seras libre de passer. Si je multiplie 6 par 4 et que j'y additionne 12 et que je divise le tout par 9, qu'est-ce que j'obtiens? Un délicieux gigot d'agneau. 6 x 4, 24. Divisé par 12. Additionner 12, 36. Diviser le tout par 9. Ça fait 4, non? Après, je me suis peut-être trompé de tête, les maths en live, tout ça. Du coup, on va dire un délicieux gigot d'agneau. LOL, t'es nul, retour à la caisse départ. D'accord, mais... Bon, c'est... C'est rigolo, mais retour à la caisse départ, alors que j'ai appris par cœur dans la Stella. Comment y aller? Alors, je vais sortir la calculette. Comme ça. Je triche, mais bon. Je suppose que si je me loupe du premier coup, en plus en live, ça va pas venir beaucoup plus vite. Hein. Donc 6 x 4, 24, plus 12, 36, et je divise le tout par 9, ça fait bien 4. Mais 4, c'est ni 6, ni 3, ni 8. C'est ça mon souci. Bienvenue sur le chat. Apparemment, j'espère que j'ai rien loupé. Apparemment, la page a rechargé. GG Poto aussi fort en maths que moi. Quand je pense que ma prof disait que j'arriverais à rien dans la vie.
J'ai l'impression que le stream est coupé. Oui, déconnecté. J'attends deux secondes la vidéo. Le tentative, reconnexion réussie. Donc voilà. Désolé pour les gens du live. J'ai été déco, apparemment, quelques secondes. Le temps de recommencer. Il n'y a pas eu grand chose. Au pire, vous regarderez la vidéo pour savoir ce qui s'est passé. C'est à peu près à 49 minutes 40 de vidéo. D'ailleurs, il faudra bientôt que je la termine, celle-ci. Oula. Deuxième question. On va tester ta mémoire. Comment se nomme le bois dans lequel tu te trouves? Ah oui, les bois perdus officiellement. Les bois largués. Les bois oubliés. Les bois paumés. Oui, désolé, Nabucco, pour la déco, Ça, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, je suis désolé. Lui m'a dit les bois paumés. J'espère que qu'il s'en souvient que c'était celle-là même. Wellplay, zéro moins, tu sais te servir de tes oreilles. Pourquoi zéro moins? On passe à la dernière question. Terminons sur une question de logique. Tu vois dans la rue un homme se faire tabasser. Tu sais pas pourquoi il se tape dessus. Qu'est-ce que tu fais? Ben go, j'y vais avec lui à deux, c'est plus marrant. Je vais chercher des snacks pour apprécier le spectacle et grignoter. Je lui demande si je peux me faire tabasser avec l'autre. J'aime avoir mal. Je passe mon chemin en sifflotant une comptine de mon enfant. Zéro moins, au moins. Ah oui. Effectivement, c'est un O, c'est pas un zéro. Question de logique. Qu'est-ce qu'il y a de logique? Quand je vois dans la rue un homme se faire tabasser, et je sais pas pourquoi il se tape dessus, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'aide à tabasser? Est-ce que je me demande à me faire tabasser? Est-ce que je vais chercher des snacks, genre du popcorn plutôt? Ou est-ce que je passe mon chemin en sifflantant Moi je passe mon chemin perso. Wow, quel PGM! Tu es le premier à triompher des épreuves des bois paumés. Ton trésor t'attend à l'intérieur de l'arbre Jojo. Juste derrière Wam. L'arbre Jojo. Oh, enfin, te voici. Sois le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant. Moi, l'arbre Jojo, de par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta vaillance et de ta sagesse. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Oui. J'hésite. Je vais prendre le deuxième parce que les réponses de School Kid, c'était les dernières. Alors entre, brave enfant. Mais quel crétin! Lol, sérieux, il y a vraiment que les aventuriers pour croire qu'il y aurait un trésor dans un arbre. Vingt morts. Est-ce que ça me fait une nouvelle? Oui, une nouvelle relique est disponible. Enfin, une nouvelle relique, même si elle sera sans doute étrange. Je suis sûr qu'elle me permettra d'avancer ma quête, comme les précédentes. Voilà. Du coup, j'ai un peu force brute la quête, mais j'ai pas trouvé qui me disait comment faire au bas, gauche, droite, là. Bonne nouvelle, j'ai une nouvelle relique pour toi. Pour avoir accumulé 20 âmes, je peux te proposer le nectar des dieux. Oui, lui, c'est bien le quatrième. Ça t'intéresse? Oui. Excellent choix. Vous obtenez le nectar des dieux. Ça sent bizarre. Il faudra passer outre. Une seule gorgée de ce nectar fera de toi une montagne de muscles invincibles. Après tout, il s'agit quand même de la sueur du grand Twix.
Pardon ? La légende raconte que certains grands héros de notre monde devaient leur force mythique à cette divine boisson. Non mais attends, redis-moi ce que t'as dit avant. Une force sans pareille gagnera quiconque, il trempera les lèvres. Voilà les mots qui motivèrent la plupart des malheureux partis en quête pour le retrouver. Rends-toi bien compte de la chance que tu as de pouvoir l'obtenir si facilement. De la transpiration de Dieu ? Sérieusement ? Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Hein ? Bref ! Profitez-en bien ! Il suffit de manger une gorgée pour devenir une véritable montagne de muscles. Par contre, c'est la seule bouteille qui existe au monde, donc n'utilise qu'en cas de stricte nécessité. C'est sûr que la sueur, ça donne pas envie de la boire comme ça. Dès que j'en ai envie. Non, lui c'était Wagner. Twix, c'était le dieu du dragon, Twix. Je crois. Bon, je crois que j'ai tout fait. Ah, mais non, je l'ai pas vu, je suis allé vite dessus. Ok. Il y a un panneau là, je suis pas allé là-haut, je crois. J'en ai marre de cette forêt pourrie, Saul. Excusez-moi. Maman me manque, je veux rentrer. Calmez-vous. Toi au moins tu es libre d'aller où tu veux. Je n'ai même plus envie de travailler en te voyant. Police, on ne bouge plus. Vous empêchez un honnête bûcheron de faire son travail. Mais, vous ne savez décidément pas vous tenir tranquille. Comment ça, vous ne savez décidément pas? Normalement, il n'est pas au courant qu'il m'a mis déjà pour la troisième fois en prison. Oui, par contre, il pourrait se souvenir de sa mort. De sa mort en prison. Je rends une phrase en mode oh non, ils vont me laisser mourir, ils vont encore me laisser mourir de faim. Et voilà. Alors le Saul pleureur, faut pas lui parler. Donc oui, il n'y a pas beaucoup de morts injustifiées, on va dire, comme celle-là, où tu parles, où tu avances et tu ne le vois pas, mais des fois tu parles des PNJ et bah, tu meurs. Bon, ça au moins c'est des bonnes morts vu que ça n'arrive qu'une fois normalement, à moins qu'on l'oublie. Nord, maison de repos des les chrysanthèmes. Sud, campement de la forêt fantastique. Oui, j'étais pas allé par là en fait. Chrysanthème. Ah oui, j'ai pas mangé. Oh non. J'ai pas mangé les champignons. Les amanites, tu mouches. On va d'abord dans la maison, on verra le tour après. Oula, c'est une grande maison. Marie-Josée. Bougez-vous ici, il faut être dynamique. Duc, efface-moi ce souvenir de ta tronche d'ahurie, sinon je t'enfonce ta tête si fort qu'elle ressortira par ton fondement. Du calme, tu n'as pas l'air de comprendre. Ici, c'est la guerre civile. La seule loi, tuer ou être tué. Est-ce qu'il va me tuer du coup? Pourtant, ça a l'air tranquille cette maison de retraite, non? Tu n'as pas idée de ce qui se passe lorsque l'heure du dîner arrive. Un charnier. Ils veulent tous leur part de gâteau, mais je suis le plus fort et j'en ai déjà brisé plusieurs. Duc, si tu continues, j'appelle Marie-Denise pour te faire une injection de calmant. Pardon, madame. Abattre les ennemis de la liberté sans devoir réfléchir, les désinguer sans diplomatie et paroles inutiles, ça me manque. J'ai des petits soldats, si tu veux. Piou piou piou. Ah, voilà un méchant de mort. Ok, ça j'ai déjà lu.
Je viens d'une terre où l'eau a disparu et où les déesses de métal brillent sous le soleil ardent. Déesses de métal ? Les buveuses de pétrole, mes amours, mes amis, mes emmerdes, surtout quand une pièce pète. Tu veux te mesurer au plus grand pilote de tous les temps ? Pourquoi pas ? Où sont les bolides ? Là, ces magnifiques petites voitures vont te permettre de jouer en toute sécurité. N'oublie pas ta ceinture. Tu as l'essieu revolver. Tu as l'essieu revolver. Tu as deux regards debout. J'ai passé la première. Je vais rouler comme un fou. Oui, ça par contre j'ai déjà vu. C'est à moi à fermer, mais vous n'en avez pas marre de les ouvrir ? Non, c'est rigolo. Là, on me dit pas qu'il y a rien dans la cheminée. Scully, connais-tu l'accélérateur à protons libres électronique bionique, le vortex interdimensionnel inversé, le ver broyeur de météores génético-métallico-yolo-glo ? Je pige rien. Ils sont déjà parmi nous. Et là, on va se faire flasher, non ? Qui ? Les aliens ! Partout ! Partout ! Marie-Jeanne, au secours, il fait une rechute ! Ça va mieux, monsieur ? Oui. Les petits hommes gris ont disparu. Du coup, j'ai fait apparaître Marie-Jeanne. La vérité est ailleurs. Ça, c'est une blague à 200%. À force de raconter des histoires d'extraterrestres pour amuser les gens, il a fini par y croire et devenir paranoïaque. Mais ça, ce qui paraît, c'est vrai, les personnes âgées qui racontent des mensonges, apparemment, au bout de peut-être une heure ou deux, ils commencent à croire que c'est la réalité. Enfin, c'est ce que j'ai lu très rapidement sur Reddit, j'ai pas lu l'article complet, donc prenez-le avec un gros grain de sel. Bienvenue à la maison de repos Les Chrysanthèmes. Nous faisons aussi dans la location de vieux. Allez voir Marie-Denise à l'étage pour plus d'informations. Mais c'est pas elle, Marie-Denise. Ah non, c'était Marie-Jeanne. Ah non, je voulais aller au-dessus, c'est pas grave. Oula. Tu m'as l'air d'un héros à la destinée extraordinaire. C'est vrai ? Comment savez-vous ça ? La prophétie du grand... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Annoncer ta venue depuis 1000 ans. Tu vas délivrer le monde de la menace du terrible. Inséré nom du grand méchant. Inséré nom du grand méchant. Oups, j'ai oublié de changer ça en lisant mon texte. À force de toujours répéter la même chose pour chaque personne qui passe ici, je finis par me tromper. Mais il y a un trou là dans l'auberge. Alors, on peut pas aller là-haut. À la porte. Bonjour, quelle vue voulez-vous louer ? Vieux de plateforme, vieux d'horreur, vieux d'action. Salopoli. Solopoli. Je vous salue, jeune aventurier. Je suis le comte du domino. Le baron du Monopoly. Ah, Monopoly, Salopoli. Oui. Solopoli, solo. Parce que tu joues à Monopoly tout seul, parce que personne ne veut jamais jouer avec toi, c'est ça ? Le duc des échecs. Voulez-vous faire une partie ? Pourquoi pas ? Vous mourrez de vieillesse. Vous avez perdu. On en refait une. Vous mourrez de vieillesse. Perdu. Encore une. Et non. Vous en êtes à votre 236e défaite. Il serait temps d'arrêter. Comment faites-vous pour toujours gagner? Des décennies de pratique. Eh mais il y a Mario en bas. Le temps court, mais plus vous. Faites donc attention. Vous avez déjà un pied dans la tombe. Évitez d'y mettre le second. Je vais bien louer un vieux, mais vu que je sais pas trop quoi en faire. Père Furax, je permets aux hommes de vivre, je peux être cuite ou crue, et le vieux d'énigme a besoin de moi rapidement. Qui suis-je, Père Furax? Il a pas l'air très Furax, mais bon. Je permets aux hommes de vivre, je peux être cuite ou crue, et le vieux d'énigme a besoin de moi rapidement. De la bouffe. Je ne sais pas. La bouffe. Au pif. Hey Mario. Hey Tony.
Ça, les petits. Bonjour, il me semble moins étrange et plus sympathique que les autres. Tu n'aurais pas vu un hérisson bleu en venant? Un vieil ami à moi. On devait aller sauter de plateforme en plateforme ensemble. J'ai pensé trop vite. Je suis le champion de la tortue aux champignons, de la tourte aux champignons. Il n'y a qu'une chose qui me manque ici. Quoi? Celle que j'aime, ma princesse, est dans une autre maison de retraite. J'ai l'impression que les autres maisons, les autres chambres sont vides. Oui, lui, il a pété son lit, quoi. À force de rebondir dessus en même temps. Non, il n'y a pas un dialogue. Alors, quel vieux je vais emprunter? Vieux de plateforme, donc c'est en bas à gauche, c'est Tony. Vieux d'horreur et vieux d'action. Je sais pas si ça peut être lesquels, mais... Tony, viens ici. Jamais, je saute trop vite pour vous. Il n'a pas l'air motivé. Jusqu'où il peut aller comme ça? Adieu Tony. Il est indisponible pour l'instant. Vieux d'horreur. C'est un modèle qui vous plaira, à coup sûr, le vieux d'horreur. Tempora Mori. Tempora Mundi. Record. Horreur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça sonne bien. Passez une bonne journée avec votre vieux d'horreur. N'oubliez pas de le ramener avant ce soir. Mmh. Ok. Bon, bah j'ai un vieux d'horreur, mais je sais pas trop à quoi il va me servir. Non, pas remonter. Ah non, là-haut je pouvais pas y aller, ok. Et elle me dit quoi? Est-ce qu'il y avait un endroit avec un... Non, ça me dit rien des endroits... Ah, Tony est là. Plus qu'à retrouver la maison de retraite de ma princesse. Qu'est-ce qui se passe? Imenus Spiritus Sanctum Dominus. Satanas Gloria! Fallait le ramener avant la nuit. Bon. Au moins, on sait ce qui fait. Ce qui se passe quand on prend le vieux d'horreur. Je vais mourir aux champignons. Non, je voulais mourir aux champignons. Je crois que je l'ai vu là aussi. Il sent bon le sous-bois. Je vais me régaler. Crouch, crouch. Voilà, ça c'était évident les amanites tu mouches. Heureusement que je les ai pas mangés dans les bois paumés. Non, là il y a une plante à faire gaffe. Ah, j'ai fait gaffe à la première plante. Alors, non, ça a l'air d'être un endroit où il n'y a rien d'autre. Elle est bizarre cette branche, les gens. Les développeurs, c'est... ça fait... Enfin, en tout cas, ça me ressortait comme un gros carré... pas au bon endroit. Je sais pas si c'est le cas ou pas. Mais voilà. Notez si ça vous plaît. Si c'est bien ça ou si c'est juste moi qui trouve des trucs bizarres là où il n'y en a pas. Je suis sérieusement dans la maison là? Ça aussi c'est peut-être un peu bizarre, non?
passer comme ça au cas où. Et d'ailleurs, il y a un bout d'arbre aussi ici. J'avais pas prévu de speedrun. Il y a un papy là haut à gauche. Je suis perdu. Ah, je suis en haut à gauche. Vieux. Laisse tes aînés se soulager en paix. comment on fait pour descendre? Voilà. Ça, c'est notre mapir qui a fait des bêtises. Tiens, là, il n'y a pas la madame Marie-Jeanne, je crois, qui vient sauver le Man in Black. Vieux d'action. Duc, vous ne m'aurez plus! Apparemment, il a mis une petite bombe. Qui a oublié de lui confisquer ses pétards? Moi, désolé. Je suis confuse. Le lieu d'action n'est pas disponible pour le moment. Ok. Bon, bah... Là, j'ai vraiment tout fait. Ah oui. Ah oui, il a fait péter un beau pétard. Ah, mais il y a une banane tout à gauche. Sur le sol comme ça, j'aurais pu me la prendre encore. C'était exprès pour un voyage rapide. Bon, je pense que j'ai découvert toute la forêt fantastique, je crois. J'ai oublié son nom. Fantasy, fantastique. J'ai même découvert un petit peu plus loin le volcan. Du coup, je vais m'arrêter là pour ce soir. Il commence à se faire tard. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui ou non, n'hésitez pas à me faire un retour, ce que vous avez aimé, pas aimé. Faut que sur Peertube je fasse en sorte de recevoir les notifications des commentaires parce que je les ai pas encore, je sais pas comment on fait. Et à très vite pour une prochaine vidéo.